Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la série, donc pour l'instant c'est la dernière mais il y en aura certainement d'autres, qui consiste à envoyer un TB d'un lieu précis dans le monde à quelqu'un de précis ailleurs dans le monde. Donc aujourd'hui on va envoyer ce TB ici, donc je vous mets la photo parce que tout à l'heure quand on baladait, parce qu'en fait cette vidéo était faite un peu à l'improviste, on baladait avec notre Geodog et du coup on a dit tiens, si on plaçait le TB de The Aussie Geocacher, donc The Aussie Geocacher sa chaîne est ici ou là, je ne sais pas où elle apparaîtra, n'hésitez pas à aller faire un tour. En général c'est quelqu'un qui tourne énormément sur Periscope, donc si vous avez Periscope n'hésitez pas non plus à aller s'abonner à sa chaîne, il fait des vidéos une ou deux fois par jour, c'est vraiment super sympa, c'est de la découverte de cache, bref. Donc on va envoyer ce TB, donc départ de France en Vendée jusqu'en Australie et plus précisément à Sydney. Donc on croise les doigts pour que ce TB aille jusqu'à là-bas et on va passer au dépôt. C'est parti, on va le cacher dans ce lieu paisible. Il y a un peu de moldu qui passe, mais on va essayer de faire ça discrètement. On lui souhaite bon voyage. Voilà. Bon voyage. Bon ben voilà, on a planqué le TB, il est prêt à partir, maintenant il n'a plus qu'à attendre le prochain passage de Geocacher. On croise les doigts pour que celui-ci le déclare et que parte vers de meilleurs horizons. J'en ai profité pour trouver la prochaine cache que je ferai en tutoriel, donc avec une pomme de pin, je pense qu'elle devrait vous plaire, elle va être assez originale et assez facile à faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous dis à très vite, je vous amitié à tous.